monde, aujourd'hui c'est un vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Et aujourd'hui on se retrouve pour toute la journée, je pense. Pratiquement toute la journée. Voilà. Donc, je viens de finir ma vidéo liste de fournitures. Voilà. Et donc là, je vais ranger ce qu'il y a. Ouh! Pourquoi ça baisse? Pourquoi? Le contre-jour m'énerve. Alors attendez, je monte le store. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc j'ai mis une petite combi short, voilà, pour être à l'aise. Et je pense que je vais faire du rangement aujourd'hui. Eh oui! Donc, je vais d'abord ranger ce que je peux mettre dans mon sac, tout simplement, je vais voir. Donc, je vais mettre mon dictionnaire espagnol, parce que voilà, quand j'aurai mon... Oh! J'ai oublié. J'ai oublié quoi? J'ai oublié le... Comment ça s'appelle? Avec les clés, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas... Ah, pour le casier, mince. Donc, je vais mettre mes équerres, le rapporteur, etc. La règle. Je vais mettre les deux. Je pense que je vais mettre les. Je vais mettre. En fait, je vais emporter toutes les pochettes. Toutes les pochettes parce que voilà, ça fait exactement toutes les. Voilà. Mais en fait, j'ai peur. J'ai oublié une petite pochette, je pense. Parce que voilà. Je pense que j'ai oublié une pochette. Il me semble. De toute façon, il n'y a pas que ça qui manque. Hein. Il y a. Voilà quoi. C'est basique. J'ai plein de pochettes. Plein de pochettes cartonnées, plein de pochettes élastiques. Donc, il n'y a pas que ça qui manque. Enfin, voilà, je veux dire que y a pas besoin de racheter quoi. J'ai ce qu'il faut. Alors, voilà, donc je vais mettre les pochettes, je vais mettre ma calculatrice, je vais mettre ma trousse aussi. Voilà, parce que on a toujours besoin d'une calculatrice le premier jour, enfin on sait jamais. Les porte-vue, ça sera le deuxième tour. Mais parce que je vais pas tout mettre dans le premier, quoi. Donc ça, je vais ranger ça après. Alors, papier 4, machin, 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 machin. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, mon bloc-notes, ça c'est sûr. Il faut que je le prends avec moi. Mon agenda, bien sûr, ça c'est sûr. Hop. Donc, la pochette. Voilà, celle-ci. Je pense que je vais prendre celle-ci pour celle que j'ai pas là. Pochette et prévention santé environnement. Je vais prendre celle-ci. Voilà, ça va me prendre. Et il me semble que j'ai. J'ai noté PSE dessus, donc c'est celle-ci, bien sûr, que je vais prendre. Voilà. Hop. Alors, donc, encore une pochette. Je vais prendre cette pochette-là pour mettre ma liste de fournitures dedans. Voilà. J'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de pochettes, mais au moins, ça sert toujours. Et les pochettes cartonnées, il y a pratiquement toutes les pochettes que j'ai récupérées. Mes anciennes pochettes en fait. Je pense que les deux, c'était des anciennes. Et j'ai racheté que deux en fait. Voilà. Donc, hop, les cahiers qui sont là. Ça, je vais mettre ça dans la petite pochette. Le petit dictionnaire. Hop. Le porte-vue encore. Je pense que c'est tout.
Je pense que c'est tout. Il me semble que j'ai tout mis dans mon sac. Et ça va, c'est moins lourd que l'autre fois. C'est moins lourd que l'autre fois parce que quand j'ai mis beaucoup de choses en fait, il me semble que j'avais mis beaucoup de choses et c'était hyper lourd. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Donc, ce que j'ai pas mis dans mon sac, je rapporterai la prochaine fois. Donc ça, c'est le premier jour que je vais rapporter toutes les pochettes, etc. Et la prochaine fois, je rapporterai porte-vue, classeur, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qui reste. Ça sert à rien de rapporter tout le jour, en fait, le jour même, parce que t'as mal au dos, etc. Donc, vous en portez avec moi. Voilà. Donc là, hop. Faites pas attention à mon lit. Donc, je vais mettre le reste ici. Mais avant ça, je vais vous montrer le stock. Ce que j'ai en fait. Donc, j'ai un ancien Becherel en cas où je le garde. Parce que, voilà. Peut-être qu'ils vont me demander un Becherel. On ne sait jamais en français. Donc les 6 autres intercalaires, voilà, les mêmes couleurs. Un autre cahier, on ne sait jamais, l'autre ça va pas suffire, donc on ne sait jamais, donc j'en ai toujours un autre pour l'anglais. Pour autre chose, là j'ai mis les sudoku, les coloriages, voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de place. J'ai mis tout ce qui est mots fléchés, sudoku, etc. J'ai mis mes petits jeux ici, donc le jeu Paku Paku, qui était très sympa à jouer. Tout simplement, je vais mettre ça là. Donc, je vais mettre donc, tout ce qui est cahier, etc. Le Becherel, franchement, le Becherel, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Parce que j'ai une amie qui a les mêmes choses. Enfin, qui était en seconde comme moi. J'avais complètement oublié de vous dire ça dans la vidéo. En seconde comme moi. Et elle m'a dit, je sais pas, mais le Becherel, moi, je l'ai jamais utilisé. Donc, je sais pas pour toi. Donc, en cas où, je le garde. Voilà. Tac. 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 Donc le sac, je le mets là. Hop. Donc sur le côté, j'ai plein de pochettes. Plein de grosses pochettes où il y a plein de choses. Comme des feuilles de couleur. Voilà, tout simplement, des feuilles de couleur. Enfin, je crois que c'est des feuilles d'intercalaire, il me semble. Il me semble que c'est des intercalaires. Bah, un petit peu des intercalaires, des feuilles de couleur, etc. Donc on ne sait jamais si on me demande, c'est ce qu'il faut. Des feuilles plastifiées, je l'avais dit, j'en avais. Des feuilles simples. Alors là, hyper lourd. Des feuilles simples, voilà, j'ai ce qu'il faut. Et des copies doubles, j'ai ce qu'il faut aussi. Pas besoin de racheter. Et des dessins, et des feuilles à dessin. Ah non, ça c'est des pochettes plastiques. D'accord, j'en ai deux. Voilà, je vous ai dit que j'en avais d'autres. J'en avais d'autres, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut. J'ai pas besoin de racheter, ça sert à rien. Hop. Économiser, c'est ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, j'ai testé le fixateur à action. Celui-ci, pardon. Ok, c'est la bouteille. Donc le fixateur, franchement, ça marche à action, ça marche tout de suite. Voilà, c'est super. À part pour le fond de teint, parce qu'il faut mettre un petit peu, mais ça marche sinon. Le démêlant, alors le démêlant, mais c'est génial.
J'en ai un deuxième, un plus grand. Et il est génial aussi. Je suis en train de le tester en ce moment, il est génial. Alors, la petite palette que j'ai achetée à Action. Alors, les couleurs sont belles. Les couleurs sont belles. Mais par contre, je trouve ça dommage que c'est collant. Donc, je suis un peu mitigée. Donc, le gel douche, j'ai pas encore testé. Douche crème au parfum des barquettes à la framboise. J'ai pas encore testé, mais en tout cas, ça a l'air très très bien. Comme celui-là, voilà. Et le bordel. Il y a le bordel. Et des bordels partout. Donc, j'ai mis sur le côté. Regardez. J'ai mis sur le côté tout ce que j'ai fini en ce mois-là. Et je vais bientôt. Du coup, vu que j'ai vendu pratiquement presque tous mes mangas, presque tout le temps, qui étaient dans cette boîte-ci, c'est super parce que j'ai récupéré cette boîte-là pour mettre mes produits finis, mes films finis, etc. Donc, c'est super. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Ah oui, en ce moment, je suis en train de regarder une série, donc je vais vous en parler en fin de mois, bien sûr, comme d'habitude. Et je vais vous montrer ce qui reste dans mes mangas, dans mes livres, etc. Donc, voilà, c'est hyper, hyper bien. Donc, je me rappelle, j'en avais vendu 123. 123 mangas, et là, il n'en reste plus beaucoup. Il reste plus que pratiquement des romans. Donc, La Légende des Glaces, que j'ai récupéré. Parce que ma mère amie n'a pas voulu. L'homme à l'envers. Les petits livres de la gamme littérature autrement. Sous les paupières. Ma vie magnifique. Prémonition. Encore des romans donc en sorceleur. Léna rêve d'étoiles. J'ai fait des lots. Et les mangas qui restent. Donc il reste les 3 tomes de Be My Slave, le tome 2 et 3 de Teach Me Love, dans les Fairy Tales, donc il reste les side story, le tome 1 et 3, Fairy Tale Blue Mistral, le tome 1, et Fairy Tale tome 49. Ensuite, donc les Amours Sucrés aussi, les Amours Sucrés, donc les 3 tomes. Et dans Tokyo Ghoul RE, le tome 7. Voilà. Ensuite, il manque SOS Love, donc tome 1. Blackbird, tome 1. Game entre nos corps, tome 1. L'Académie musicale Alice, tome 1. Blue Flag, tome 1. Et Fruit Basket, tome 1. Donc, c'est pratiquement que des tomes 1. Et donc, des grands romans et 2 DVD. Donc, Les mensonges de Locke Lamora, que j'ai pas du tout lu. Voilà, un gros roman comme ça. Et Je brûlerai ton cœur en pierre, bien sûr. Celui-là, je l'ai lu, mais je l'avais adoré celui-ci. Je sais pas s'il faut que je le garde. On sait jamais s'il y a rien qui. Enfin, s'il y a pas de nouveau truc. S'il y a personne qui le veut, je garderai. Parce que. Voilà, c'est sentimental aussi. Donc, les DVD, donc il y a juste l'intégrale de la saison 1 Vampire Diary que j'avais en double. Et Chouette, un DVD, voilà, que je vous en avais parlé. Que je vends aussi. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, il y a ce qu'il faut. Enfin. Je suis un peu. Je suis un peu contente, ce qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 livres et mangas. 30 romans. Enfin, en tout, c'est 30 livres et génial. C'est waouh. J'ai ce qu'il faut, quoi.
Donc voilà ce qui reste. Et je suis contente, je suis très contente, très 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 contente. Là, j'ai racheté 12 mangas en tout. Sans compter cela, j'ai racheté 12 mangas. Donc j'ai très hâte de vous les montrer tout simplement. Je ferai une ouverture colis. Voilà, une ouverture colis parce que voilà, j'adore ces vidéos-là et j'en ai jamais fait sur ma chaîne et franchement, ça va être génial. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien que je puisse dire. Donc, je pense que je vais finir là le vlog. Ok, donc je pense que je vais finir ici le vlog. Parce que voilà, j'ai le main hydroalcoolique. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bye tout le monde!